Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. J'espère que vous allez bien. La carte qui est sortie est personne divorcée. Et le temps, c'est l'automne. Alors, personne divorcée. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Il ne faut pas que tu sois non plus un pansement. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement. Mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Alors en date, on nous dit automne. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne. Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Si tu es loin de l'automne quand tu poses la question, ne pense pas que tout est fichu et que tu n'auras jamais ce que tu attends et ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de trois à franchir avant l'automne prochain, qui est tout près, n'est-ce pas? Et cela passera par un ou trois événements importants. Mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt. Mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.